Un milliard d'euros remboursés à la Russie en toute discrétion. C'est l'information que sort aujourd'hui le Canard enchaîné. La France devra justement reverser la somme avancée par Moscou, mais aussi des frais annexes. Pour désinstaller des équipements russes déjà à bord, payer la marge du constructeur naval DCNS, rembourser à la Russie les frais notamment de la formation de 400 marins et de l'aménagement du port de Vladivostok. Selon l'hebdomadaire satirique, la facture s'élèverait à plus de 2 milliards d'euros. Les Russes, eux, devraient être gagnants dans ce remboursement grâce au faible taux du rouble sur l'euro.